Les amis, je n'arrive pas à y croire. C'est un super résultat. L'indicateur est super rentable. Alors les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous dire comment vous pouvez gagner de l'argent sur la plateforme Binomo, même si vous avez plus de moins que le nombre de plus. Je vais vous montrer aujourd'hui une stratégie qui devrait résoudre votre situation de quelque manière que ce soit et essayons de gagner de l'argent avec un dépôt initial de 5 000 $. Alors, allons-y, choisissons absolument n'importe quelle paire de devises que nous aimons. Dans le coin supérieur gauche, j'ai choisi une paire du crypto IDX. Commençons par ça. Pour commencer, on va échanger par niveau, horizontalement en diagonale. Donc, je vais vous dire brièvement, surtout pour que ça soit clair pour vous aussi. Donc, dans le coin supérieur gauche, nous sélectionnons un instrument tel qu'une ligne ou une ligne horizontale. Sélectionnons probablement une ligne horizontale. On la rend plus grosse et ajoutons-la au graphique. Ici, eh bien, nous pouvons en ajouter une de plus comme ça. C'est tout. En principe, nous avons ajouté deux lignes horizontales. Elles signifient des niveaux de support et de résistance. Pour l'instant, ouvrons le premier accord pour 200 $ pour une augmentation. Mais pour le moment, je vais vous dire quels sont ces niveaux. Nous revenons donc un peu au graphique. On l'éloigne. Nous regardons d'une manière à ce que nous ayons eu une longue tendance descendante, c'est-à-dire que le prix a baissé constamment pendant longtemps. Et à un moment donné, notre graphique a décidé de se retourner et de repousser. On marque ce moment important. On voit qu'au bout d'un certain moment, notre graphique au même niveau se déroule aussi à travers ces deux lignes, à travers ces deux points de renversement, on trace une ligne. Cette ligne est notre support, c'est-à-dire que si notre graphique s'est inversé deux fois à partir de cette zone, alors très probablement qu'il s'inversera pour la troisième fois. Autrement dit, vous voyez que cela nous est arrivé aussi pour la troisième fois. Voyons comment nos accords se développent. C'est-à-dire que nous avons ouvert un accord avec vous approximativement à partir du niveau de support et notre graphique a rebondi de ce niveau. Nous avons une petite réaction, mais malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps pour conclure l'accord en plus. Maintenant, nous devons attendre une minute de plus. Nous ouvrons le deuxième accord ici, ou plutôt deux accords d'une somme de 400 $, respectivement si ce pari se termine avec nous en plus. Alors nous gagnerons même si nous avons perdu le premier accord. C'est-à-dire 400 $, nous gagnerons 364 $ net, dont 200 € en remboursement de la perte du premier accord et 164 ce seront notre bénéfice. Nous attendons donc toujours l'achèvement de cet accord. Si il se clôture en moins, alors nous échangerons déjà dans le sens opposé. Et le prochain pari que nous aurons déjà n'est pas de 400 $, mais de 800 $. Et donc, nous attendons l'achèvement, malheureusement, tout. Et le premier et le deuxième accord sont clôturés en moins. Ici, nous avons apparemment un franchissement de notre zone de support. C'est-à-dire que nous revenons au graphique des minutes. Le time frame change ici. C'est le temps d'une bougie. Nous voyons que la troisième fois, notre graphique a rebondi du niveau du support. Et la quatrième fois, nous l'avons franchi. Par conséquent, lorsque nous franchissons un niveau important, nous continuons à avancer dans la même direction dans laquelle nous avons eu un franchissement. C'est-à-dire que maintenant, nous concluons initialement sur un rebond pour la quatrième fois, mais le rebond ne s'est pas produit. Pour cela, nous avons besoin juste de la stratégie de Martin Gay, c'est-à-dire que si maintenant l'accord se termine, en plus, nous gagnerons toujours de l'argent, même si les deux premiers accords que nous avons eus étaient moins. Voici une telle stratégie pour cela. Bien sûr, vous pouvez calculer la somme de vos paris afin d'avoir une balance en cas de remboursement. Donc, nous avons fait un profit plus 1457 $. Nous soustrayons 800 et obtenons 656 $ de profit net. C'est-à-dire l'essentiel de l'équilibre, nous avons gagné 56 $. On peut dessiner ici, mettre avec une ligne horizontale une autre zone de support. Marquons-la ici. C'est-à-dire que nous avons eu une réaction de ce niveau ici et cette réaction s'est produite ici. Maintenant, nous retournons à cette zone. Déjà de la résistance, car elle est au-dessus du graphique et dès qu'on la touche, j'ouvre un accord pour une diminution.
Je vous rappelle qu'on revient toujours au pari d'origine, c'est-à-dire l'accord pour 800 $ à gagner. Donc, nous le mettons maintenant dans l'autre sens, autour de 200 $. Eh bien, ouvrons un accord ici. Nous avons tous les accords pendant environ une minute, c'est-à-dire que nous choisissons le délai d'expiration minimum possible. C'est-à-dire que nous avons le moment de l'accord, c'est le temps pendant lequel le marché devrait baisser, c'est-à-dire que dans une minute, notre marché devrait clôturer plus bas que nous avons ouvert l'accord maintenant, et seulement dans ce cas, nous gagnerons. C'est le moment de la formation d'une bougie, nous pouvons mettre un graphique de 5 secondes et voir à quoi il ressemble plus clairement. Maintenant, très probablement se produit le franchissement de ce niveau. Nous préparons donc un pari de 400 $ et nous nous préparons à couvrir en cas de perte. Donc notre accord s'est fermé malheureusement à moins, nous avons un franchissement. Donc nous ouvrons un deuxième accord pour une augmentation parce que nous avons un franchissement de bas en haut. Sur le time frame par minute, ça ressemble à ça. Il y avait un niveau de résistance, nous le traversons et nous continuons à déplacer vers le haut. Donc on ouvre un accord pour une augmentation et attendons. J'ouvre un graphique de 5 secondes pour une image plus visuelle, mais il reste 25 secondes avant la fin de l'accord. Alors juste on regarde. Super, le deuxième accord se clôture en plus. Nous gagnons 324 $ de bénéfices nets. Au total, notre balance a augmenté de 180 $. Nous revenons au pari initial et cherchons la prochaine situation. Maintenant, nous pouvons ouvrir un bon accord pour une diminution. J'espère une réaction de ce niveau de résistance, c'est-à-dire que nous n'avons plus de niveaux horizontaux. Comme c'était dans le cas dans le passé, ce sont des niveaux diagonaux qui sont également construits sur deux points. Cela peut aussi arriver et des réactions et des franchissements. Donc, nous avons ce que nous avons jusqu'à présent, un accord en A. Ouvert 1, nous attendons son achèvement pour une diminution. S'il se ferme dans le rouge, alors comme dernier, nous pouvons le couvrir un accord déjà pour 400 $. Et comme je l'ai dit, il y a très probablement un franchissement. Donc nous continuons d'échanger déjà pour une augmentation. Un pari de 400 $. Et bien ici, nous pouvons conclure un seul accord également pour une augmentation malgré le fait que nous avons une anomalie. Pour l'instant, il y a du mouvement sur le marché. Voyons à quoi ça ressemble dans une minute. Peut-être que nous n'avons pas eu de franchissement, c'est juste qu'il y a un niveau de résistance ou du support légèrement différent. Eh bien, dans tous les cas, nous surveillons l'évolution de la situation. Quoi que ce soit, acceptons cette situation qui n'a pas fonctionné d'une manière ou d'une autre. Et continuons à changer selon une stratégie de martingale. Nous trouverons juste un plus confiant et un accord parfait. Donc, nous avons toujours un rebond. Nous clôturons cet accord avec un plus, c'est-à-dire que nous avons conclu un accord avec un moins, un avec un plus. Et une série de trois accords nous apporte encore du profit, rien que grâce à la stratégie Martingale. Les amis, comme vous pouvez le voir sur les options binaires, vous pouvez gagner tout simplement. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, car vous pouvez échanger avec moi, répéter simplement mes accords depuis mon canal de Telegram fermé. Je laisserai un lien vers celui-ci dans un commentaire de ce vidéo épinglé. Alors, abonnez-vous et gagnez avec moi. Je vous attends là-bas. À bientôt.